Souka, c'est moi. Je suis le boss mutant des anomalies. Et comme tu peux le voir, j'ai fait la fusion de tous les monstres en moi. Et tu ne paies rien pour attendre, Souka, je vais te dévorer. Mais avant ça, tu vas devoir affronter tous mes enfants, Souka. Attendez, on a tout ça à affronter, mais moi je suis tout seul. Ok les amis, il va falloir que je trouve une solution pour pouvoir en faire qu'une seule bouchée. J'ai donc moi aussi rassemblé mon équipe avec plein de Huggy Wuggy farfelus. Et j'ai même ramené Miss Delight version catnap. Et ils vont affronter en premier ce tout petit monstre des anomalies. Attendez, vous savez quoi, je vais même en placer d'autres parce que bon... contre ces trois Huggy Wuggy, je pense ils vont clairement en faire qu'une seule bouchée. Allez, hop, 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 hop. Oula, j'en ai placé pas mal, là. Bon, Huggy Wuggy, vous êtes prêts? C'est parti, let's go. Oh, what? Ok, les amis, Huggy Wuggy ne rigole pas et il leur met des claques. Il leur met clairement des claques. Eh, toi, vas-y, là, allez vous battre. Je crois que Huggy Wuggy est clairement en train de les battre. Pour que ce soit équitable, boum, plein d'autres Huggy Wuggy. Oh. Aïe, ok, bon, les pauvres fourmis, là. Elles se font démonter, les pauvres. Bon, cette fois-ci, ce sera un peu plus compliqué. J'ai placé des Huggy Wuggy zombies. Waouh, regardez leurs dents. Ok, bon, par contre, ceux-là, ils ont l'air de faire super mal. Et ils vont affronter les espèces d'ours de Zoonomalie. En tout cas, j'en ai placé 4 pour les Huggy Wuggy. J'espère que vous êtes prêts, les gars. Ok, allez, les gars, vous êtes prêts? C'est parti, let's go. Ok, les potes. Oh, what? Oh, oh, ah non. Ok, je pensais que les Huggy Wuggy avaient gagné. Ok, c'est très, très, très serré. Les Huggy Wuggy ont un petit peu de mal. Regardez-les, attendez, je crois que lui il est mort. T'es mort ou pas toi? Ah oui, je crois que lui il est complètement mort. Les potes, je crois que là ils sont complètement... Non! Huggy Wuggy! Il y a un Huggy Wuggy qui est mort, les amis, regardez-le, le pauvre. Ok, toi t'es mort, tu pars. Toi, qu'est-ce que tu fais? T'es censé te battre. Il est censé se battre. Bats-toi comme un homme. Il reste seulement un Huggy Wuggy? Ah bah il en reste plus. On a clairement les Huggy Wuggy qui se sont fait dégommer. Eh vraiment les amis, pour l'instant mon équipe elle est trop nulle. On se fait dégommer. Pauvre Huggy Wuggy. Non, n'ayez pas peur, vous en faites pas. Je vais juste vous ramener quelqu'un que vous connaissez bien. Catnap, voilà. Et je vais en mettre pas mal, voilà. Ok, comme ça on est bien. Ok, Catnap, je compte sur toi. Casse-lui la figure. Ok, toi aussi, casse-lui la figure, je compte sur toi. Ok, bon allez, c'est parti. Je pense qu'ils sont tous prêts. Let's go. Ok, attention. Oh, what? Ok, les amis. Oh, attendez, quoi? What? Catnap, mais... Qu'est-ce qui te prend, Catnap? Attendez, Catnap n'a même pas réussi à les dégommer, sérieux. Pour cette manche, on aura le droit à Huggy Wuggy Glace ou Huggy Wuggy Marshmallow. Et j'en ai placé pas mal. Et ils vont affronter le lapin du zoo. Ok, bon, regardez, ils ont peur du jour. Mais ça, en vrai, c'est pas notre problème. Les Huggy Wuggy, je compte sur vous. C'est parti. Parce que depuis tout à l'heure, on se fait dégommer. Ok, les Huggy Wuggy. Ok. Ok, les Huggy Wuggy. Attendez les amis, regardez là. Attendez, regardez, ils attaquent en groupe. J'ai l'impression qu'ils font super mal. Ok, ok les gars, vous pouvez le faire. Pourquoi il y en a... Oh. Ils l'ont jeté tellement loin. Ok, attendez lui. Non, 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 attention, attention. Il a été éjecté du ring. Bien joué les Huggy Wuggy. Attendez, attendez, il est pas encore mort. Attendez, je vous aide un peu. Je vous aide un petit peu. What? Il y a lui là-bas qui se fait encore frapper. Ah c'est bon, tu peux le lâcher, tu peux le lâcher, c'est bon. Ok, mais lâchez-vous, bon sang. Bon allez, vous avez envie de vous battre? Allez, je vous laisse avec lui. Le pauvre. Oh là 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 là. Vraiment les potes, dites-moi dans les commentaires, vous êtes pour quelle équipe? Soit l'équipe des anomalies, soit l'équipe de Huggy Wuggy. Oh non. Ok, il est mort. Oh les potes, Huggy Wuggy, on a fait qu'une seule bouchée. Bien joué les gars. Et l'autre il est où? Bah je crois que l'autre aussi est complètement dead hein. Ah non, l'autre est toujours en train de se battre. Eh vraiment toi t'es résistant hein. Attends, 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 je vais te ramener vers les autres toi, vas-y. Allez vous battre les gars. Go. Regardez comment il l'entoure.
Oula, ouais, je crois qu'il est mal barré. Il est très très mal barré, le pauvre. Pour cette manche, j'ai rassemblé plein de vieilles Miss Daylight. Regardez-la, c'est Miss Daylight, mais version catnap mutant. Avec une arme de la mort, avec plein de piques. Et elle est venue avec toutes ses copines pour affronter la vache qui ne sourit pas dans le zoo. Souriant, regardez ça. Ils sont quatre et ils sont prêts à en découdre. Bon, Miss Daylight, je compte sur toi. Casse-lui la figure, s'il te plaît. Attention, 3, 2, 1. Let's go. Oula, ok. Oh, what? Ok, les potes, Miss Daylight, ne rigole pas, hein. Ok, les potes, Miss Daylight est part à l'attaque. Elle attaque directement. Ah oui, d'accord. Il y en a un qui a été éjecté directement. Waouh, ok, Miss Daylight a clairement l'avantage. Ok, allez là, vous vous battez, vous, quoi, là. Regardez-les, ils ne savent pas quoi faire. Ah oui, d'accord, ils se font dégommer. Waouh, ok, Miss Daylight, pour l'instant, s'en sort très, très, très bien. Regardez ça. Et je vais même tricher un petit peu, hein. Je vais rajouter d'autres Miss Daylight. Oui, les Miss Daylight, dégommez le zoo. Voilà, regardez ça. Oh, waouh. Et attention, on en a déjà un qui est mort. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Oula, le pauvre. Ok, ils l'ont complètement dévoré. Il y en a un deuxième. Ok, les potes, c'est bon. Ils sont en train de tous les dévorer. What? Ok, bon, les potes, tous les anomalies ont été dévorés. Toi, là, t'es mort ou t'es pas mort? Ok, regardez-les. Ils se sont tous fait dévorer. Bah, merci, Miss Daylight. Du coup, c'est clairement Miss Daylight qui gagne cette manche incroyable. Hé, hey, Souka, mes enfants m'ont dit que tu es en train de les embêter. Tu veux jouer à ça? Je vais t'envoyer mes meilleurs enfants, tu vas voir, Souka. Ouais, c'est ça, ramène l'enfant que tu veux. Moi, j'ai rassemblé tous les Smiling Critters. J'ai ramené Piggy Piggy, Booba l'éléphant, Dog Day le Smiling Critters. Celui-là, c'est Crafty Corn. Kickin' Chicken, c'est l'un de mes préférés, celui-là. On a bien évidemment Catnap. Ok, en Smiling Critters, il est stylé. On a aussi Tony Bunny qui est là. Et pour finir, Bobby. Ok, les gars, je compte sur vous, d'accord? Je vous ai pas rassemblés pour jouer aux cartes. Vous allez clairement leur montrer c'est qui les plus forts, ok, les gars? Et vous allez devoir affronter... Waouh, ok, les singes du Zozunomali, regardez. Ils ont d'immenses bras, mais des jambes toutes petites. Et leurs dents, ils sont immenses. Ok, bon, les Smiling Critters, j'ai un petit peu peur pour vous, hein. Honnêtement, en plus, ils ont des super grandes oreilles et de super grands yeux. Aïe, excuse-moi. Regardez, je peux leur mettre des coups. Et voilà, tenez ça, bande de nuls. Voilà, ok, bon, les Smiling Critters, je pense que c'est à vous de jouer. Attention, 3, 2, 1. Let's go. Ok, attention, on a les singes qui attaquent en premier. Les Smiling... qu'est-ce qui se passe? Non, relève-toi. Relève-toi tout de suite, toi. Non, mais vous allez pas mourir un par un, quand même. What? Non. Ok, non, les amis. Non, Dog Day et Poupa, non. Oula, je crois qu'on est très mal barré. Booba l'éléphant, Booba. Tous les Smiling Critters se font dégommer. Dog Day, c'est moi. Dog Day. Non, les singes ont gagné. Oh, mais les Smiling Critters, ils sont trop nuls aussi. Qu'est-ce que je t'ai dit, Souka? Mes enfants sont vraiment trop forts pour toi. Bon, les amis, je vais ramener le robot de Catnap. Mais je ne sais pas s'il fait des dégâts énormes. Regardez, son ventre, on dirait une arête de poisson. Et tout est en câble électrique. On va voir s'il fait mal. Eh, Catnap! Oh, oh, il m'arrive! Oh, oh, waouh! Ok, il jette des lasers, en fait. Ah oui, d'accord. Il m'a complètement dégommé. Oh, reste là où t'es. Attendez, est-ce qu'il sait sauter? À votre avis, est-ce qu'il pourra m'atteindre de là où il est? Ah non, il arrive pas, hein. Eh, Catnap, t'arrives. Ah! Non, Catnap! Non, oh, wow. Oh, il y en a deux maintenant? En tout cas, il m'a clairement convaincu. Bon, vous allez affronter les anomalies. J'espère que vous êtes prêts, les Catnap. Ils vont devoir affronter Catnap, mais version Zonomalie. Regardez, c'est clairement Catnap, mais un Catnap modifié version Zonomalie. Regardez, on dirait clairement les animaux de Zonomalie. Oh, Catnap, ah oui, ok, t'as clairement changé, Catnap. Bon, en tout cas, c'est parti, c'est un 3v3. Dites dans les commentaires, vous êtes pour quelle équipe? En tout cas, c'est parti pour le fight. Oh, ok, Metal Catnap. Ok, prends l'avantage.
Ok, par contre, ils sont en train de reculer. Il ne faudrait pas qu'ils tombent. Oh, ok, il y en a déjà deux qui sont tombés, qui sont en train de s'affronter en bas. Oh, le fight est incroyable. Oh, il est trop épique. Il est trop épique. Ok, vas-y. Vas-y, t'es du métal. Eh, t'es en fer, normalement. Tu dois pas perdre. Wow. Ok, attendez, il a l'air de faire beaucoup de dégâts, hein. Et les deux là-bas, là. Le 1v... Oh, oh, le pote. Il s'est fait dégommer, regardez-le. Oui. Ils les ont dégommés. Bien joué, Catnap. Regardez-les. Ah oui, d'accord, ok. Bon, bah, toi, t'es mieux pour être en bas. Voilà, reste en bas. Voilà, c'est ça. Tu restes là. Ok, vas-y, toi, tu reviens ici. Et vraiment, les gars, j'aimerais vous remercier. Vous avez fait un superbe combat. Tu fais le beau avec tes petits robots. Vas-y, ramène-les-moi, je vais les dévorer, tu vas voir. Attendez, quoi? Il y a le grand-papa qui va affronter mes robots? Ok, Catnap, vous savez ce qu'il vous reste à faire et... C'est parti, attention! Ok, les amis, c'est le fight contre le papa du zoo. Ok, attention, what? Oh! Ils l'ont éjecté. Par contre, le papa du zoo... Il est super gros, regardez-le. C'est n'importe quoi. Oh. Ok, il essaie de lui mettre des coups de pied, mais ça ne fonctionne pas, hein. On voit quand même que les Catnap ont l'avantage. Les Catnap. Vas-y, toi, viens de ce sens-là, voilà. Attaque-le par derrière. J'espère sincèrement que Catnap va gagner. A few moments later. Ah, what? Ah, les amis, il a ramené deux de ses frères. Le patron, le papa a ramené deux de ses frères. Mais c'est de la triche. Oh, what? C'est clairement de la triche. Regardez, ils sont trois contre eux. Non. Les Catnap, réveillez-vous. Catnap. Les amis, et ça vous fait rire en plus. Ça vous fait rire, hein. Regardez les potes. Ils se sont mis à trois pour dégommer mes petits Catnap mutants de robots de la mort. Ok, vous voulez jouer à ça? Eh, pour vous trois, je vous ai ramené... Le Catnap mutant Evil de l'enfer. Regardez ça. Il a des milliers de dents. Son corps est tout pourri. On dirait qu'il est à moitié carbonisé. Et dans son dos, regardez, on a plein de pics qui forment une espèce de bouche carrément sur leurs trois dos. Bon, je pense que là, vous êtes complètement mort. Eh, hey, Souka, tu as oublié que nous, on a plein de bouches sur notre corps. Ramène-les, on les attend. Attention, le combat va commencer. C'est parti, let's go. Oh, what? Ok, les amis, on a les gros papas qui sont en train de mettre des coups de pied sur Catnap. Oh là 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 là. Ok, oh non, les Catnap sont tombés. Oh non, vas-y, Catnap. Catnap, tu peux le faire, Catnap. Oh non, ils sont deux contre lui. Oh non, ils sont deux contre lui. Eh les amis, je crois vraiment que Catnap là est bien parti pour les dégommer, hein. Par contre, faites vite, il y a un de vos frères là qui est tout seul là-bas. Ok, les gars, regardez, on a trois Catnap contre le papa. Je vais rajouter d'autres Catnap. Boum. Ok les gars, j'ai rajouté d'autres Catnap à la partie. Regardez ça. Ah mais le papa il est trop fort, le papa du zoo, regardez. Il est trop fort. Eh vas-y, tombe du ciel toi. Boum, voilà. Non les amis. Non les Catnap, faites quelque chose. Oh non les potes, on a réussi à mettre KO aucun des grands papas. Il reste, je crois, 5 Catnap de vivants. A few moments later. Attendez, quoi? Ils viennent d'en dégommer un autre? Je crois vraiment que les papas du zoo n'ont rien à voir avec Catnap et Poppy Playtime. Ils sont vraiment surpuissants, regardez-les! Il reste seulement 2 Catnap et les 3 papas sont toujours debout. Bon, bah, je crois que c'est la fin. Regardez, il restait 2... Oh! Ah si, attendez! On en a quand même mis un KO, les amis! Ok, les potes, on en a mis un KO, mais il y en a deux qui sont restés debout et qui ont dégommé, bah, tous mes Catnap. Je t'avais dit que nous allions gagner, Souka. Si tu veux une revanche, je veux qu'il y ait 5000 likes sous cette vidéo. S'il y a 5000 likes, je ramènerai des enfants encore plus forts. Attendez, les potes, je vais essayer de le posséder pour voir.
Regardez, ah oui d'accord, bon on voit pas très bien, mais ok, il saute, oh regardez, il saute super haut. Regardez, je le contrôle et il saute super haut. En tout cas les amis, si vous voulez la suite de cette vidéo avec une grande revanche avec plein d'autres personnages, mettez plein de likes, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Soutrash, ciao les potes.